Papa Koufi na année na 2004. Nani anga teka lopango na bini? Mutu anga teka lopango. Ezali grand frère ya malatre na ngai. Malunda André Mavunda. Comment expliquer que convenance ezali? Il y a deux parties, mais monsieur André alingi a s'accaparé na lopango wana. Nga pe na to comprendre été yango na yaki na émission na lobela ba konjamboka ba yo kambela na ngai no un justice garde son Costa Mutamba toto mona inda to tambula osala ba descente yango na yene émission na yeko lela liboso na e atela nga likambo lupango za ya papa na ngai na za wana ti lelo na lupango wana omono vandi boye un greffier azo kotika document à 22h. Un greffier, ma yingila, a dit que document à 22h. 22h. En main propre, ton nez. Je suis beaucoup en Haïti. Donc, a dit que mon père est moine, ou est un mineur, n'a qu'à te le pang. A dit que document ou est pas mineur. Pas à moine, mais. On a eu un greffier. Il y a un greffier. Ma yingila. Où va ce pays? Greffier, ma yingila. Mbogo est ce qui me rappelle, mesdames et messieurs. Document où il y a notification d'appel, incident et assignation. Oncle Nayo, il y a un document où il y a un autre. Oncle Wana, Malunda Mavunda André. Akindati. Na cadastre. Ok. Akikoudoua numéro. Il y a cadastre. Très bien. Na landa akindati na cadastre. Il y a un autre qui a opposition. Aucun vente. Il y a un document dans le bureau de cadastre. Ok. Il y a un document qui a un numéro dans le tribunal de Ngalim. Il y a un document qui a un ok. Il y a un ministre de la Justice, Costa Mutamba. Très bien. Il y a un document qui a un document qui a un document qui a un des années. Il y a oncle Wana, Malunda Mavunda André. Ata mukolo moko te ti papa za vi ayako déclarer que le pango nanga onyo c'est que le pango nanga ay comment il bon frère nanga to te ka le pango nanga sa kinga na yeba atikala ko ya te 20 ans après azolo ba ke le pango oyo eza ya ye a pesa ka ngo yenda sida ka leki na ye ya mwasi le ko papa na bisa dalaki le ko la makambu donc justice tolo ba e kataki déjà que le pango za yo batika kutungisa j'ai dit c'est le baki boye ah ba bénissio li sous ce que dessous ko sans mais pas greffier. Mesdames et messieurs, ce pays est un très bon pays, nous les aimons tous. Il y a des problèmes d'escroquerie, mais nous sommes dirigés. Maman Judith to beti maboko maman maman des ordres za makasi na mboka des ordres za makasi maman Judith. Je suis un peu de temps. Je pas autorité en Boka. Le pango est à Tata Nangai. Papa a Koufi à Tiki Mabele. Je suis un peu de temps. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibien-être.com. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Parlons Paix, Parlons Bien. Aujourd'hui, avec la réalisation, avec la chaîne, nous allons parler un peu de faits sociaux. Nous avons eu un cas et
un héritier est venu nous voir. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre, mais aujourd'hui c'est un peu spécial parce que c'est une émission dossier. Comme on avait dit tantôt, notre émission est socio-culturelle, vous le savez, et des fois on a des dossiers qui nous arrivent et il faut le mettre à la disposition du peuple. Alors, nous avons un problème en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, et évidemment dans la commune de Mongafula. Nous avons un héritier qui est venu nous rencontrer son histoire. Il y a le frère de sa belle-maman, de sa marâtre, qui veut vendre leur parcelle. Alors, ce monsieur s'appelle Cédric Ndélé. Avec lui, nous allons parler de ce qui se passe dans la justice congolaise. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette machine? Parce qu'il y a tous les documents, vous allez, Jordan, Panzou et Gédéon Louaou vont nous balancer quelques documents via miniature, via photo et des articles. Moi, je pense que il y a une loi, il y a vraiment une loi qui est établie sur la vente de parcelles d'un défunt, de quelqu'un qui est mort. Lorsque vous désirez acheter la parcelle d'une personne décédée, rassurez-vous que son ou ses héritiers ont désigné un liquidataire, investi par la suite par les tribunaux compétents, et que le transfert de propriété a été fait au nom de l'héritier et des héritiers avant qu'elle soit transmise. Est-ce que cette personne qui veut vendre la parcelle de cet héritier, de ce monsieur qui est héritier, Cédric Ndélé, cette personne est-elle bien un liquidataire? Est-ce que la personne a les 75% des biens de notre papa qui est mort depuis, je ne sais pas, beaucoup de temps? Alors, nous allons dire bonjour à M. Cédric et il va nous relater son histoire. Bonjour, M. Cédric. Bonjour. Ndélé. Ok. De votre vrai nom, Kombo Nayo, vraiment, la nouvelle tendance, Kombo ya papa nani akufaki na nini? Kombo na ngai Mafia Landele. Papa akufi na ane na 2004. Akufi na 2004. Papa akufi na 2004 yo kumono Mafia la Ndele. Mafia Landele. OK, ovandi wapi monsieur? Na vandi na commune ya Mongafula. Vandi na commune ya Mongafula. OK. Bazomona na ba photo lupango. Ozana lupango place oyo balingi ba escroquer bino parce que oyena na dossier ya escroquerie. Venant ya oncle nayo. Oazali leki ya maman a bokolio. Moi si ya papa. Mais non. Est-ce que moi si ya papa babalana ki na papa? Babalana te. Babalani na papa te. Babalana te babota pete. Babalana te babota te. Babota pete. Du coup, c'est qui est sûr que za yonde héritier. Vous avez qui vous êtes belé ben héritier ton aine. Tout à l'heure qui m'y balé. Grand frère autour de Tikabiso a couvert na Brazzaville. OK. Na 2024. A qui okufa na Brazza, bakunda epe kuna na Brazza. Bakunda grand frère na Brazza. Donc yo moi mto tika les héritiers. Ramoni na tika. Mais non. Nani anga teka lopango la bine. Mto anga teka lopango. Ezali grand frère ya malatre na ngai. Malunda André Mavunda. Malonda André Mavunda. OK. On a grand frère ya grand frère ya malade. Ya malade na. OK. Yem dalinga teka lupango. Awa teka on a statine. Aza liquidataire to ne. Aza non liquidataire. Ya ya ki alobi ki lupango wana. Papa yoku fina 2004. Papa yoku fina 2004. Papa yoku fina 2004. Papa yoku fina 2004. Des années. Papa dala ki en vie, tu vanda gawana, na malatre, na tu dala sur place. De encore rappeler biso soki déjà le pan wana esombami na nini? Esombami na 1981. 81. OK. 1981. Depuis là on a Zaïre. Depuis Zaïre. Depuis 1981. Ouais, depuis 1981 dont ozana na déjà ozana réci. Na livré des logeurs. Gédéon et Jordan, est-ce que vous voulez que vous zoomez les bisous? Ah, ok.
Ils ont déjà livré. Pas de problème. Ok. Ah, bah, comme non. Mwangindele. SD, je ne sais pas. Ils ont 337-990 bar Kinshasa. AB318752 bar W. Zonchela. On a originaire. Collectivité Mbanga, localité Kiteni. C'est ça, non? Bon. Est autorisé de loger la personne inscrite dans ces deux parcelles. Avenue Selil Kimbwala, ok, quartier Ngombe, Lutendele, zone Mongafula. C'est vrai, on est arrivé à la zone, hein? Mbwangi Ndele. Donc, il y a un propriétaire, un copropriétaire, c'est question. Mais non. Samabi nominé nani. Ye aza chef ya Nasera Zahir. Ah ok. D'accord. Et récit à citoyen Mbwangi Ndele yango. Oh récit de papa depuis Zahir ya Koutim. Sous bassement babinga yango. Donc parcelle Zahir ya 75 mètres sur 25. Bongo. D'accord. Tu vas continuer du solo. Bon. Ne va vendre. Bon, maman vendait une papa. Na ba période papa sombe le pont. On a 81. Maman Zaraki. Marâtre Zaraki. 81. On a ngasko na koye bate pour na. Au botamine en été. Ok, d'accord. Voilà. Air yo botamine sko. Pesa biso ba fe yo air au botamine. Tant on a botamine. Natalie ko vendre pa ya ba famille à maman. Papa koko. On vend la famille à maman. Maman ya ko kufa. Tout maman est kufa na komi ba age moko il faut na linga kana ya papa na mona ka papa ko mesana okay. Na mesana papa pazo la kisanga moni lopango na nga ya ngoyo o mitu pe na somi mitu ya ngoyo lelo pazo pe nga na goza la te blo na bino ya ngoyo okay. Papa est kufa na 2004 okay. Na 2004 ba vandi famille vandi ka famille ya mouwei na famille ya mutoa ya mwasi ya tikali ba vandi tous les deux familles nde ba yo sala convention oui. Donc je cite na rotanga problème ezate nous si signé sous signé monsieur André Bola Nzita nde nani nde ko ya papa ok représentant okay. De la famille du fait Mbwangi Ndele de la deuxième catégorie et porteur des titres parcellaires énuméré ci-dessous d'une part et André Malonda Mavunda André Malonda Mavunda représentant de la veuve Madame Henriette Malonda Ndungi de la première catégorie d'autre part avons décidé de vendre la parcelle sur Avenue Poati, comme Avenue Ngulu Poati, numéro 24, quartier Kimwala, dans la commune de Mongafula, selon notre meilleure convenance sur base des titres parcellaires en original ci-après. Vous avez livré des logères, vous avez fiche, fiche parcellaire. Numéro 06-74-96 du 28 mai 1996. On affiche le mail à 96. Attestation d'occupation parcellaire, peut mail à 96. 96, hein, au en France. Attestation des taxes de. Bâti. Hein? Ok. On appelle 96. En foi de quoi nous signons cet acte pour servir de droit à chaque partie ainsi fait à Kinshasa le 10 janvier 2007 3 ans après papa Kokufa pour accord première catégorie André Malonda Mavunda deuxième catégorie André Bola Dita les témoins Bazalaki Mbunzi Mavambu na Mvumbi Mabenga bon on a de eux vous salit 3 ans après, Liwa ya papa. Alors, comment expliquer que convenance est allée? Il y a deux parties, mais monsieur André a l'ingé à s'accaparer dans le pangouana.
nga pe na to comprendre te yango na yaki na émission na lobela ba konjambuka ba yo kambela na ngai par rapport na nous numéro 1 ya mboka ministre de la justice Costa Mutamba toto mona to talaka makambo ya bakaya ba numéro 1 ya mboka eza président numéro ya Félix Antoine Tshisekedi numéro 1 ya justice voilà numéro 1 ya justice garde des sceaux Costa Mutamba toto mona inda to tambula to sala ba descente na ba quartier to mona ba évolution ya batu ba zole la mapango na bango yango na yene mission na ekolela liboso na e atela nga likambo lupango za ya papa na ngai na za wana tili na lupango wana Omono vandi boye un greffier azo kotika document na 22h pese bisongo eza wana un greffier mayingila azo kotika document na 22h na 22h azo kotika document na 22h ba je pense que document on a son côté eza wana eza document eza non eza pas non peut-être on a beaucoup de documents comprenez on a certificat d'essai à papa. Maïngila. Non, c'est pas ici. Ok, en attendant, on continue. Tout le monde a appelé. Ok, d'accord, c'est ça. Document où il y a notification d'appel, incident et assignation. Aérotique en haut, c'était quand? Les six. Ok, greffe aérotique en haut. Comment la greffier Ouesa Mayingila Mbaki? Mayingila Mbaki. Greffier de justice près les tribunaux de grandes instances de Kinshasa Gombe. Ok. Asali a notifié à lobby Monsieur Massiala Ndele Cédric au numéro 28 de l'avenue Poiti, localité Kinkela, quartier Kimboa, la commune de Mongafula, et donné notification d'avoir à comparaître devant les tribunaux de grandes instances de Kinshasa Gombe au local ordinaire de ses audiences, 6 palais de justice, place de l'indépendance en face du ministère des Affaires étrangères, siégeant en matière répressive au second degré à son audience du 16 septembre 2024. Donc, aux Alaouan a laissé septembre 2024, n'a 9h. Pour s'attendre statuer sur le mérite de la paix ci-dessus. À ces causes, sous toute réserve générale, généralement quelconque, dire l'appel principal recevable mais non fondé, dire l'appel incident recevable et fondé, frais comme des droits, et pour que le notifié n'en ignore les gélères et étant l'adresse, tout ça. D'accord. Pour continuer, il y a une notification qui est là. Il y a un petit peu de 22h. En main propre, tu es là. Je suis là. Il y a un petit peu de 22h. Il y a un petit peu de mineur. Il y a un petit peu de mineur. Il y a un document qui n'est pas mineur. Il y a un petit peu de mineur. Il y a un greffier. Il y a un greffier. Donc, le greffier a l'ongoli ma colonne. Pour qu'il y ait un petit peu de mineur. Na 22h. Na 22h. Maïngila. Où va ce pays? Le greffier Maïngila. Je suis là, mesdames et messieurs. Moutou, azoye ba place na été. Est-ce réellement greffier faut ayer au tika document? Tu es en bateau, ba tchaka wana ba courrier ou ezali, faut ba kende ko tika ngo. Mais non, soyez greffier et mouraye ko tika lo o na 22 heures en plus. Et o muto o sala musalati normalement. 22 heures. Na habite na yango sala musalati 22 heures. Surtout na ministère à justice. Avec 22 heures. Na 22 heures ba o tika lo document. Document. Oyo. Oyo wana. Et ce document documents automoni ils ont l'accès on dirait un peu au fundaki na fundaki na fundaki na sala qui appelle na ngalima na sala qui appelle au fundi noko na yo grand frère ya malade OK na fundi grand frère malade na jugement ou bon baké ko zoa na tribunal ya ngalima na ndingi ya fraud document jugement ou ça document jugement wana photocopie nango Donc, comprenez que monsieur... Pas ba maître. D'accord. Monsieur Cédric a tous les documents possibles. Hein, il y a Lupango. Donc, tous en a livré des logeurs. Il a même un certificat de décès à papa. C'est ça? Bien, au certificat de décès à papa.
Azana ngo monsieur Cédric azana fiche parcellaire yango yo monsieur Cédric en tout cas ministère de la justice faut ba landa mambo bien azana attestation d'occupation parcellaire et monsieur Cédric azali héritier n'est-ce pas maintenant balingi ba escroquer le pango et pas oncle nayo oncle nayo azana ba document o yo zana ngo tote oncle na oncle wana malunda mavunda andri akinda ti na cadastre OK akikozwa numéro ya cadastre très bien na landa na kinda ti na cadastre na kino tika bo opposition OK vente na kino kutsa ba document ti na na bureau cadastre OK asala ba document na ye ba pesina numéro ti na tribunal ya ngalima ayaki nango OK. Maintenant, tout en article, article 758 du Code de la famille congolaise. Hein? Les dispositions des articles 791-91 et 792-92 du Code congolais de la famille prévoient le partage égal de tous les biens de la succession mis ensemble par tous les héritiers, soit les 75% de toute la masse succoral. Wana ezali code ya famille. C'est-à-dire monsieur Cédric étant héritier, faut ozala normalement 75% ya ba bien nyonso ya papa. Donc so eza bongo seke lupangu eza etikali directement e pa na yo. Mbela oyo ko lancer awa. Parce que to moni awa so eza ki lupangu eza ki yote mutu za responsable mais ba ngai ba tikela yo. Document oyote et pas na tika ke mutu voisin ya papa voisin ya papa tomba osa la balabala pour pas fungula njila pour venir za la rater olobi voisin ya papa ça la repas voisin ya papa za voisin papa docteur linjo za voisin ya papa ti le loi ta piwana OK donc olobi Cédric la maison de votre papa Ndeli en 1986 a fait l'objet de destruction pour libérer la route avenue Poitiki s'est limité devant ma parcelle alors que je voulais la croiser directement avec la route de Lutendele. Ces jugements du quartier de l'époque peuvent éclairer le tribunal de la séance de séjour, car la parcelle est pour ton papa. Pendant que M. Malonda, son beau-frère, nous a assistés, à M. Azalaki, hein, pendant le jugement, comme témoin de la tracée de ma route, détruisant la maison de votre papa que j'avais remis en place pour bénéficier de la portion qui est resté de mon côté comme paiement en Zaïr monnaie. Donc, bah, ça l'a depuis Zaïr. Zaïr. Mais bimi depuis assis. Zaïr. Mmh. OK. Voilà, M. Cédric. Soyez déjà, papa, yo, tu n'as pas reconnaître yo boy. Yo suko yo, parce que loi Zali, justice, c'est bien sûr, Moussa le salam. N'a pas na yo. Et là, on est aux offres salas, suko na minitio. Gélo ko on a deux salas. Alors c'est ngala bakonja mboka. OK. Na singi le ministre de justice Costa Mutamba. Très bien. Atela nga makambo na na ba document nga nyoso ya lupango. Na vana ka lupango wana des années tilelo na za la kawana. Na dana avenue Poati numéro 24 na kala ikoma numéro 28 ba changer ba localité. OK. Ikoma 28. Des années. J'ai des voisins. Voisins au papa tekela lupango. Aza capitaine na koma colonel. Aza wana sur place ti lelo lopango na eza wana. Eza na mtu mususu papa tekela lopango. Ti lelo aza wana lopango na eza ba bon voisinage. Ni matata. On eza ki 75. Ateki boue. Tous les ba voisins na nyos. Toza ba bon voisinage ni makelele ni mese malonda André Mavunda. Ata mukolo moko te ti papa aza vie. Aya ko déclarer ki le pango nanga o nyo se dégue le pango nanga yi. Comment il bon frère nanga to teka le pango nanga sa kenga na yi. Atika la koya te. Après savoir e koya 20 ans. Papa kouvre na 2004. Toi 2024. 20 ans après. Azolo ba ke le pango oyo eza ya ye a pesa kango yenda sida ka leki na ye ya mwasi. Loko ya papa na bisa dalaki loko la makambu. Le roi makango ayo ko vanda compte ya mwasi. La kizoketi na ba tribunal, la kisanga document. OK. Attends, on fait comprendre.
Monsieur Malonda a lobby na justice que Lupango wana ezaye ya pesa lek na ya mwasi papa na azaki lokola babenga Mario. OK. A pesa ya ba document a eza na kombo ya papa. Document nyo sona. Ni kombo ya mama ni na kati ni eloko eza na kombo ya. Même tomo na photo na fiche cancellaire na kombo ya papa. Ayiko ba ke Lupango wana a pesa ngole ki na mwasi pona bavana na papa na biso devant tribunal. Tribunal et Robin et la Kisa Bisso sous bâtiment. Document aux la Kisa qui au Seda Gandé le Lopang ou tout Seda qui l'est qui n'a pas en faux en a bien écrit. Oui, le bon à mon côté. Tribunal et Sengi et l'accès au sous bâtiment aux la Kisa qui l'opang ou yo et la qui a yo au Seda qui l'est qui n'a moi si mon bal et au quota ni bal à parler qui n'a moi si aucun document sous bâtiment à la route. Ok, est-ce que là comme mon en a thé et l'eau comme mon côté ou année comme mémoire pour la tribunal et Ali ni à Nini ya cadastre, document ya cadastre. OK. Document ya cadastre no cadastre na ndenge ya mafia ya Lopango. Pour ezala jour mon na zalate, aina Lopango aina ba na ba camarade na ye. Na kinanga matanga na njili. Ba yebaki nga na zate, ponga so na zala na kokota te. Ba yebaki na zate, ba yeko mesurer Lopango pona zwa mesure ya Lopango pona kino cadastre Lopango. Pour le pango ya yo yebi na mutu yebi ki na tekaka boy. Oko yeli soutien le pango apo ko misi. Pango soko tuninga siko le pango wana. Eza combien de mètres? Na ko baba mètre eza. Eza combien de mètres le pango? Eza li 24 mètres et 17 mètres 70. Ah OK, sur les 75 mètres né olobi bo. Eh to tekaki o itikala ya ngwa. 24 mètres. Oyo monsieur Malonda ke ko cadastre. Tandis que papa za na Russie, papa est mon citoyen mbangi ndele. Asomba le pango na 17 000 Zaïr. À chaque intérêt à l'époque. Voilà. Ah, c'est compliqué. Il y a un document wana oyo ya cadastre. Document wana baji ba betango il charge des faux. OK. Il y a faux, il y a faux. Un ministère public a tout nié. Document oyo okene ko zongo na qualité nini. Okene na ba document nini. Nani a pesa ki yo, nani a tinda ki yo no sala ba document oyo o memakuna. Aucune réponse. Aucune réponse. Ni, OK. Ni sous basement, tu bani ba bureau du quartier, ba bureau du quartier, ba bilo. Ti mama du quartier, ya kimwala. Alandanga ti na 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 tribunal angalim. Comme témoin, na toka témoin. Chef de localité, na zoye témoin. OK. Bango tout ba ka na la séance là, bango to ti na tribunal, ba tout ni bon ba question. Pas ba juge, ba répondre puis. Donc, justice toloba et kataki déjà que le pont est là, bâti à Otungisa. J'ai dit que le bâti bouillé. Ah, bah, ben, monsieur, il sous ce qu'il est sous, mais pas greffé. Mesdames et messieurs, ce pays est un très beau pays. Nous les aimons tous. Vous savez, il y a des problèmes par-ci, par-là. Il y a des problèmes d'escroquerie, mais nous sommes dirigés. Nous avons crié aux gens de voter Batou. Gouvernement Bimi, maman Judith, tu bêtis ma boko, maman. Première dame, ah, pour la première fois, maman là, mon tomorrow, tu es bibi, maman paie sa vie. Maman m'tabo tarabiso, maman m'tabo kolaka, maman désordre, et ça m'a cassé dans mon cas. Désordre, et ça m'a cassé, maman Judith. Contrôlez bien, mère. Mon compte en boca. Équipe pour bailler la kio bête sur le terrain. Désordre, paie, et ça m'a cassé, mon compte. Côté Moussous, c'est ça la malam. Côté Moussous, c'est ça comprendre. Réseau et appareil judiciaire. Et ça, mon néné. Il y a des juges, il y a des greffiers. Boyebi, il y a un magistrat suprême. Il y a une certaine famille. Il y a un mboka na yo, mon kondi. Il y a un congolais. Papa akenda azayaki congolais atiki mwana ye héritage mais balingi bayiba yango mwana aza na place okimate na lobi aye pa na biso po soyi abwaki mbela boye bakonza mboka ba Hollanda ministre de la justice Constant Mutamba je sais que makambo yo oye bien bien parce que ozala déjà maître avocat. Vous avez vu ce qui déjà ba preuve za boy ba document za boy donc moto ba roiko botole lupango kaka boyete. Alors monsieur Ndele lilobanao ezanini ya suka pour la famille parce que
habité à des familles marambo et zalarapé, non copains à ramambo belé. C'est vrai qu'à ça, marâtre n'a eu, mais vous vendez à n'aïe pena papa. Est-ce que les lots où vous revendez à la famille Bosso, là pour déjà vous remontez de la convocation et vous remontez déjà, famille on dirait déjà ben d'ani. Yo, go lo baneni, na minitsu, na bateau ba Hollanda. Na bateau nyotso ba Hollanda ngai. Lo balanga souke za boy. Na iko singa pa ba autorité ya mboka. Lo pango za ya tata na ngai. Papa langa kufi atiki mabele na ye. Ngai mwana ye na za wana. Na iko lila pa ya premier ministre. Ministre de la Justice. Ah, ok. Oyo il n'est pas ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Ah, vice-premier ministre. Costa Moutamba. Atel nga makambo. Pour nous tout le temps, na TV, na zo mona ba action azo sala. Na zo mona ba action azo sala. Ba zo mo pangu na bango ba bengani mutu 15 ans après. Mutu ele ba document na epona mutu ana za na mbongo ebele a sali ba corruption na e a boté le pau a sali mafie. Raison mafie. Eh, o mo konya to telimi. Raison mafie. Mutu aza na mbongo te. Alors, mutu aza na mbongo ba pesiye raison pour na za na mbongo. Mutu aza na raison ko aza na mbongo te. Voilà, mesdames et messieurs, merci d'être fidèles dans notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision. Mbela yandekonde le yokani partout, bandekoyo et amité mamalam, pour partager et comme paye pas ministre pour yezo sunga batou. Azo sa la campagne na bien. Ezo le ka bien parce que zo mona musale ko sala ma ba document nyonso oyo ba to ara na ngopo pango ezala ya moto ezali awa. Ba ko illustre ngo na ba photo directement et pas ba réalisateur na biso. Alors, je Cédric oleki déjà to moni mbela na oyo ilandami soki lelo Costa Mutamba ayokio, c'est vrai que des gens de Bengisio, il faut répondre à l'appel parce que l'État soit Bengisio, il faut Okende. Okende, après, du solo n'est pas le cas. Ceux qui, eux, que, ont récupéré le plan, pour non, ils ont gagné, non, ils ont dégagé, ils ont menacé. Ceux qui ont menacé, soit les Sili, grâce à justice Tabiso, soit tu as fait confiance, soit justice Tabiso, c'est le Moussala bien, ou Rosonga, pour nous remercier, pour remercier, pour nous remercier. Alors, Bisso, ton dieu, ton il a n'engé, oyo ko sa l'appel à la chaîne Nabiso, parce que c'est une chaîne vraiment suivie. Et voilà. Travaillez, 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 très cher Congolais, travaillez. C'en est fini, cette émission. Disons merci à la réalisation de Gédéon Louaou et Jordan Panzou. Disons merci à l'assistance de M. Corneille. Bambo Tebene, Nabandegonio, Sobron, Nabiso de partout. Bye bye, à la prochaine. Que Dieu soit avec vous. Voilà. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Gibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église, porte étroite London et par-ci par-là en Europe aussi pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuez vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, il cherche à plus se faire des disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre des merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier méritait son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye.
Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibien-être.com.